L'Algérie interdit aux écoles privées d'enseigner le programme français. Les établissements d'enseignement privé en Algérie ont été destinataires avant la rentrée des classes d'une note du ministère de l'Éducation nationale, leur rappelant que seul le programme national est autorisé à être enseigné aux élèves de ces établissements dans les trois cycles. Il s'agit au fait d'un rappel puisque ces mêmes écoles privées ont été destinataires de cette note en septembre 2021. Malgré cette note qui remonte à 2 années, la majorité des écoles privées ont continué à prodiguer les cours à leurs élèves en suivant le programme français. Une situation qui a poussé les autorités algériennes à réagir de nouveau en optant pour une interdiction totale dès cette rentrée de l'enseignement en français dans les écoles privées. C'est ce qui ressort en effet d'un courrier adressé aux parents par des directeurs de ces établissements privés. Dans ce courrier que le journal français Le Figaro a pu consulter, un directeur d'une école privée située à Alger explique que le ministère de l'Éducation a désormais décidé d'appliquer la loi stricto sensu. Cela veut dire la fin du double programme pratiqué dans les écoles privées en Algérie, permettant aux élèves de suivre à la fois le programme algérien et le programme français.